T'es chez maman? Oui, je vais arriver. Écoute, j'ai pas réussi à me libérer pour demain. Tu peux aller chercher maman à l'hôpital et la ramener à la maison, il y a sa voiture au garage. Et je vous rejoindrai en fin d'après-midi. Faut qu'on lui parle tous les deux. Lui parler? Tu veux lui parler de quoi? C'est plus possible, elle peut plus vivre seule, c'est pas raisonnable. Écoute, mais elle est en forme. Qu'est-ce que t'en sais? Ça fait longtemps que tu l'as pas vue. Cette fois, elle aurait vraiment pu y passer. D'accord. Bon, on verra ça demain, ok? Et essaie d'en parler un peu avant que j'arrive, s'il te plaît. Peut-être que venant de toi. Ok, non, non, c'est bon, j'ai compris. Je vais lui en parler. Bon, allez, à demain. Voilà, à demain. Je suis content d'être là, avec toi. Moi aussi. T'es sorti plus tôt que prévu, non? Oui. Je trouvais un boulot dans la centrale à côté. La centrale à béton de René? Oui, la centrale de René. C'est lui qui a signé la promesse d'embauche. Elles sont jolies. Oh, tu te souviens de cet endroit? Quand ton père était en colère contre toi, c'est toujours là que tu venais te cacher. Ouais, je me souviens. Et Bertrand qui me balançait à chaque fois. Au fait, il t'a parlé, ton frère? Parler de quoi? On ne pourra pas aller en Provence cet été. Il n'est pas là. Je viens de faire le café. Laisse, maman, je m'occupe. Non, 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 va t'asseoir. Je le fais. En fait, tu commences quoi le boulot? Lundi matin, 7h. Ils sont encore bons là, les biscuits? Ah ouais, ouais. Elle marche plus là, la radio de papa. Non, je sais pas ce qu'elle a. Maman, le gaz. En fait. Bertrand, il t'a dit pourquoi il avait annulé les vacances? Tu connais ton frère. Il m'a pas dit grand-chose. Simplement que ce serait pas possible cet été. On ira l'année prochaine, c'est pas grave. Ça te rappelle quelque chose? Oui.
Ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Et si on partait en Provence tous les deux cet été? Bon, à moins que t'aies quelque chose de prévu. Et ça te dirait qu'on parte maintenant? Où ça? En Provence. Aujourd'hui? Bertrand m'a demandé de me reposer. Et oh, Bertrand, il peut pas toujours tout décider, d'accord? Et moi, je te dis que ça te ferait du bien de partir. Et ton boulot? Et le boulot, on s'en fout. On sera rentré avant. Je monte faire ta valise et on y va. Comme ça, on y est avant ce soir, d'accord? C'est quoi là? On y va. Mais j'arrose les plantes avant de partir. Non, s'il te plaît. Hein, on a de la route et on est déjà en retard. Et tu comptes aller loin avec ce truc à ton pied? Pourquoi tu m'as rien dit? Je sais pas. T'avais l'air heureuse qu'on part tous les deux. Et prendre ce risque rien que pour me faire plaisir? Tu sais, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Provence pour faire des choses ensemble tous les deux. Maintenant que tu es revenu. On peut aller loin avec ce truc-là? Pas très loin. Eh ben, allons pas très loin.